Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Oui, ça se voit que c'est les vacances, hein, le mec est même pas rasé, quoi, il n'y a plus de respect. On se retrouve aujourd'hui sur l'esprit, sur le Marsupilami, voilà, qui vient de péter le Sega. C'est super sympa ça, de sa part. Donc, let's play sur le Marsupilami sorti sur Mega Drive en 1995 et développé par Infogrames, voilà ceux qui ont fait Tintin, Spirou, les Schtroumpfs, Titeuf, bref, la bande dessinée quoi. Hein. Allez, c'est parti. Alors, difficulté. Écoutez, on va rester en moyen et si c'est vraiment trop difficile, on mettra en facile. Hein. Allez, niveau 1, le cirque. Avec ce gentil éléphant. J'avais donc déjà joué à ce jeu il y a un petit moment déjà. Et voilà, regardez comme il est beau le Marsupilami. Oh, ouais. Attendez, il y avait un truc là. Ouba, super. Je sais pas à quoi ça servait, super, on avait un bébé en cage là. Donc, on va récupérer les escaliers. Voilà. Alors, toi, fous le camp. Voilà, un bon petit coup là où il faut, hein, on s'en souvient. Voilà, j'avais donc déjà joué à ce jeu. Voilà, bon, écoutez, ça sert à rien d'aller plus loin, on va aller chercher l'éléphant. Et j'étais resté bloqué au début, et c'était assez frustrant, hein. Donc je me suis dit, bon, on va reprendre. Regardez, hop, voilà. Avec du Marsupilami qui est vachement solide quand même. Hein. Alors, j'ai trouvé une technique pour le faire avancer, ce satané éléphant. Regardez, hop, et voilà. Bah, j'aurais dû. Je sais pas pourquoi j'ai pas pensé à faire ça lors de mon premier test sur le jeu. Je sais pas pourquoi. Voilà. Regardez, hein, c'est simplissime. Enfin, simplissime. Tout est relatif, hein. Regardez, hop. Et là, on fait l'escalier. Et voilà le travail. Ouais, non, mais oui, on trouve des astuces hein, entre-temps. C'est. Attendez. Alors là, ça va être un peu plus compliqué puisque. Là, il y a qu'une seule caisse. Ah, il y avait deux caisses. Oui, bah dis pas au bar en même temps que je parle, s'il te plaît, hein, un peu de respect. Là, il n'y a qu'une seule caisse pour que je fasse ça. Merde, évidemment, je fais du mauvais côté. Allez, non, mais c'est pas le moment de redescendre, là. Allez, viens là. Voilà. Bam, allez. C'est des réflexes, hein, faut aller très vite. Putain. Allez, réflexe. Non, mais alors, en plus, je me trompe de touche, alors comme ça va être génial. Allez. On revient là, c'est parti escalier. Voilà. C'était chaud. Non, 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 non! Putain, mais c'est pas vrai! Mais qu'est-ce qui est con cet éléphant aussi? On va éviter de s'énerver alors que ça fait 3 minutes que je joue. Alors, attendez. Voilà, elle fait ça. Reviens, putain. En plus, il y a le temps qui défile là. On n'a pas que ça à faire, sérieux. Mais je suis sûr qu'en plus, il y a une astuce. Je suis sûr qu'il y a un truc. Je suis pas censé faire ça, quoi. Allez, bon, je sais pas quoi faire, franchement. Oui, bah au bas, t'es le seul à être content. Ça, mais en plus, on avait réussi il y a 2 secondes là. Eh merde. Allez, monte. Ah putain, mais là, je commence à faire n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est? Comment j'ai fait ça, moi? D'accord. On peut déposer ce qu'on ramasse. C'est pas juste pour faire des points. D'accord, bah. Ah bah voilà. D'accord, je viens de comprendre. Allez, vas-y. Merde. Je l'ai mis au mauvais endroit. Non mais c'est bon, maintenant j'ai compris, c'est bon, on va pouvoir le faire. Évidemment, j'ai pas fait attention au timer. Sacré bac à live. C'est assez marrant dans ce jeu, c'est qu'ils se sont amusés à faire plusieurs animations pour quand on perd une vie, quoi. Regardez, les fruits aussi changent d'ailleurs, c'est assez marrant. Ah, là il y a une étoile cette fois. Bon, ça le fait dire ou bas, apparemment. Bah allez, on va pas perdre de temps cette fois, hein, maintenant qu'on a compris l'astuce. Allez, c'est parti. Voilà. Donc là, faut lui déposer un truc. Regardez. Comment j'ai fait ça déjà? Voilà. Et là, maintenant, on lui fait escalier. Attendez. Voilà. Bon, écoutez, ça sert à rien. Je crois que je vais garder ma méthode, hein, parce que je suis en galère totale. Voilà, les petits, on y va. Oh, toi, putain, fou le camp, toi. Ouais, bah. Le Marsupilami, c'est être violent parfois. Hein. Allez, je vais essayer. C'est la technique officielle, donc on va le faire officiellement. Hein? Hop, voilà, bouffe bien, c'est parti. On perd du temps quand même quand il bouffe comme ça. Voilà, oh, attention.
Ça va, ça te fait pas mal? Heureusement qu'on perd pas de points de vie quand il tombe, hein, parce que sinon, ça serait relou. Allez, voilà. Vas-y, tu peux monter, s'il te plaît? Merci bien. Voilà. Allez, bouffe. Il est mignon, quand même, l'éléphant. Hein. Ouais, bon, évite de rôter dans mes oreilles, s'il te plaît. Ok, là, on va récupérer donc le deuxième petit pouvoir. Allez, casse-toi, toi. Allez, fous le camp, putain. Donc... Ah, il y en a un là-haut, ok. Bon, dégage toi aussi. Non. Ça fait un peu bizarre quand on se trompe. Ok, je les ai dégommés. Alors, on va récupérer le pouvoir là-haut. Nickel. Alors, je vois pas du tout ce... Qu'est-ce qui te bloque, là? C'est le poteau qui te bloque? Genre, le marsupilami peut passer tranquille et lui, il est en galère totale, quoi. Alors, à quoi il sert, celui-là? En plus, je vois pas trop ce qu'il fait. C'est quoi ce pouvoir? Il sert à rien. Mais vas-y, passe! Mais y'a rien qui te bloque, sérieux. Enfin, je vois pas du tout ce qui peut te bloquer, quoi. Attendez, on va tenter celui-là. Oui, la queue du marsupilami qui se transforme en souris. C'est... Je sais plus dans quel album c'est, mais il y avait un truc comme ça. En tout cas, l'objectif est atteint. Je suis allé plus loin que mon premier test. Hein. Merde. Oh, tu peux me regarder, s'il te plaît? Voilà. Ben, je vois absolument pas ce qui le bloquait. Ma foi, c'est bien, écoutez. Hein. Merde. Non, allez, il reste 5 secondes, là. Putain, évidemment, ils vont pas... Voilà, ben, laissez tomber. Ah, regardez. Vas-y, Bacalé. Ah, au moins, on s'amuse. Voilà, bah, on perd, mais on rigole quand même. Ça, c'est un très bon point. Bon. Par contre, le mauvais point, c'est qu'il faut repartir du début. Grande joie, grande joie. Je sais pas ce que c'est, ces trucs bleus, là. Ma foi. Des fois, ils mettent des bananes, voilà, des oranges, ou des trucs comme ça. Mais ça, je vois absolument pas ce que c'est. Hein. Allez, viens, c'est... Voilà, on va faire ça. Merde. Évidemment, je suis pas rapide. Allez, c'est parti. Ouais, elle marche, ma technique, hein. Ma foi, je trouve que c'est plus rapide que quand on dépose le truc pour bouffer, il bouffe, ensuite il monte. On perd du temps, quoi. Là, je fous un coup, il se retourne et c'est bon. C'est violent, hein. Faut pas frapper les animaux comme ça, mais bon. Là, c'est une question de rapidité. Alors, voilà, j'ai déposé la merde bleue, là. On sait pas trop ce que c'est, mais bon. Voilà. Comme ça, j'ai le temps de faire l'escalier, c'est super. C'est super gracieux à chaque fois. Alors, comme on sait maintenant qu'on peut passer comme ça... Alors, d'abord, j'ai récupéré le petit... Et merde. Le petit item, hein, voilà, qui sont là. Maintenant, on fait l'item souris. Non mais, en plus, il baille, ce con. C'est de ma gueule, le marsupilami. Voilà. Ah d'accord, ça fait trembler le poteau. Ouais, peut-être pas besoin, en fait, de sauter pour récupérer le truc. Je pense que la prochaine fois, il faudra le laisser secouer le poteau. C'est bizarre, hein, dit comme ça. Vas-y, il va bouffer. Oh, voilà, on va le récupérer avec ce truc-là. Eh, la queue du marsupilami, quand même, elle est puissante, hein. Alors, la fous le camp, toi. Putain, mais... c'est... Allez, vas-y, remonte. Mais arrête de me fouetter, ça va pas, toi? Allez, voilà, prends ça. Voilà, nickel. Bon, on recommence. Voilà, on laisse cette merde bleue, là. Il va le bouffer. Hop, non, évidemment, je suis mal centré. Voilà, oh là là. Dis donc, non, reviens là. D'accord, là, je pense qu'il faut faire l'escalier. Il fait de la corde à sauter, lui. Lui, tout va bien, quoi. Il est mignon, ce marsupilami, quand même. Non, mais allez, tu peux monter, s'il te plaît, là. Oula. Heureusement qu'il marche dans le vide, sinon, je suis dans la merde. Hein. Allez, bois un peu, ça te fait du bien. Attendez, il y a une étoile là. Voilà. Oula. Ok. Alors. Il y a des flammes. Super. Bon, on va passer avec lui, hein. Non. Ah bah non, il a peur. Ma foi, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je suis sûr qu'en plus. Non mais bouffe pas, non, c'est pas ce que je voulais faire, non.
Non, je peux pas passer, fais chier, reste 3 secondes, là. Et c'est bon. Ah, nouvelle animation. S'il a réussi, c'est que ça sent pas bon pour moi, quand même. Voilà. Fin du jeu. Je sais pas depuis combien de temps on joue, mais ça fait pas beaucoup de temps, quand même. Hein. À peine 10 minutes, à mon avis. Bon, bah maintenant qu'on connaît la technique, on n'a qu'à... Hein, c'est parti, hein, on recommence. Allez, dépêche-toi, on n'a pas que ça à foutre, là il reste 20 secondes, sérieux. Allez, peut-être qu'il faut lui faire peur. Non, il faut que t'aies peur, d'accord? Non mais putain, c'est pas vrai, allez, il reste 10 secondes. Voilà, allez, flippe un peu. Putain, mais t'es parti dans le mauvais sens, sérieux. Quoi? Attendez, qu'est-ce qu'il vient de faire, là? Je sais pas comment j'ai fait ça. Il a craché l'eau qu'il a bu. Alors, en même temps, c'était obligé que ça servait à quelque chose, cette eau. C'était pas juste pour qu'il boive. Voilà. Allez, vas-y, remonte. C'est génial. Bon, on adore refaire les mille fois les mêmes choses. Hein. C'est l'inconvénient de ce genre de jeu, c'est de refaire tout le temps le même schéma. Et on recommence. On apprend de ses erreurs. Et c'est reparti. Ouba, ouba. Voilà, quoi. Allez, on n'a pas le temps de bouffer là, sérieux. Le timer c'est super important là. Allez, reviens là. Putain. Allez, bon, on a 100 secondes, ça devrait aller normalement. Après, je sais pas ce qui reste après, s'il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc, ça me stresse un peu cette histoire. Donc, le cercle de feu. Nickel. Alors, je sais pas comment j'ai fait ça, je crois que je lui ai juste sauté dessus. Bah voilà. Ou bah. Et c'est la fin, super. Voilà. On a fait le premier niveau, merci de m'avoir suivi. Bon, on va continuer quand même, hein. Ça va. On peut au moins faire le deuxième. Voilà, le cirque, niveau 2. D'accord, on reste dans le cirque. Je sens que ça va être long ce jeu. Ok, alors. Ah, nouveau pouvoir. Je sais pas à quoi ça consiste, mais bon. Quoi? Ah putain, d'accord. Ouais, mais je savais pas moi que les boules défonçaient le marsupilami. Je dis beaucoup de phrases bizarres quand même. Allez, vas-y. La musique est sympathique en tout cas. Et j'aime bien les changements de décor. Ah, les jeux infogrammes qui sont tellement magnifiques. C'est dommage qu'ils soient si difficiles. Encore là, ça va en fait. Dès qu'on commence à apprendre un peu le. Quand on commence un peu à comprendre le jeu. Il est pas si difficile. Ok. Ah d'accord. Alors faut peut-être que je pousse la caisse, non? Non? Elle bouge pas. Bah, dégage. Putain, mais fous quand avec tes balles là. Alors, peut-être que je fasse ça. Non. Pourquoi j'arrive pas à faire ce pouvoir là? Mais sérieux, comment je fais? Il est bloqué mon éléphant là. Voilà, il suffit que je dise, hein, on comprend tout au jeu, il est pas si difficile, pour que je comprenne plus rien et que je le trouve ultra dur. Quoi. Non mais sérieux, je suis sûr que ça a à voir avec ça en plus. Putain mais c'est pas vrai. Allez, voilà, non mais il faut que j'attende qu'il soit dessus, sérieux. Mais c'est relou, putain mais comment on fait? Après c'est aussi le désavantage de pas avoir de livret avec le jeu, c'est que bah, il doit y avoir des astuces pour débloquer certaines situations. Et voilà. Alors peut-être ouais ça, lui faire peur, je sais pas. Voilà, il prend son bain, le marsu, évidemment, je sais pas, non, il a pas l'air d'être effrayé en plus, ah, il a peut-être défoncé la caisse, non, bah non, voilà, ça fait déjà 60 secondes que je suis là, ça commence à me saouler, on a perdu la moitié du timer, c'est génial quoi, attendez, est-ce que, bah oui, évidemment, faut le faire bouffer. Bah oui, non mais bon après je suis un peu con aussi hein. Voilà, faut pas m'en vouloir. Donc on va faire l'escalier. Non. Non, s'il te plaît, mets-toi sur le bord là, s'il te plaît. Hop, allez escalier. Non. Pourquoi ça marche pas, sérieux? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Vous savez, c'est pas un hasard quand ils mettent des items à côté des... Enfin pas très loin, c'est qu'il y en a besoin. Donc à mon avis... Voilà.
défoncer la piscine, non. Ah bah non, voilà. Bah, moi j'aime bien ce système de jeu, mais... voilà. J'aime bien, j'aime bien. Oh non, j'ai perdu, putain. Oh non. Oh, fais chier. J'ai décidé de passer un excellent été, d'excellentes vacances. Voilà, c'est pour ça que j'ai choisi de faire ça. Voilà, allez, c'est reparti pour un tour. Bon, je vous ai épargné le premier niveau, hein, c'est bon. On va pas perdre de temps cette fois, on va être efficace. Hein, on va le faire très vite ce second niveau, hein, parce que ça commence un peu à m'énerver. Non, mais ça va, franchement, c'est un très bon jeu. La difficulté est légèrement élevée, mais le système de jeu est vraiment, vraiment intéressant. C'est vraiment bien pensé. Voilà, le marsupilami ami ne se bat pas contre des ennemis, enfin si, des jongleurs. Voilà, hein, ce sont nos ennemis. Attends-moi. c'est surtout le défi, en fait, c'est de faire avancer l'éléphant, c'est tout, en réalité. Quoi ? Voilà, des boules de jongleurs viennent de tuer le marsupilami. C'est génial. En même temps, hein, ça va devenir de plus en plus corsé au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu. Hein. Voilà, on va les laisser disparaître si ça l'a pris. Voilà. Allez, viens petit. C'est parti. Je sais pas ce que c'est ces machins, on dirait des céréales. Allez, fous le camp, toi. Allez, viens par là, s'il te plaît, on n'a pas que ça à foutre. Donc, on va les foutre de la bouffe, il sera très heureux. Voilà, il tombe, nickel. Et regardez ça, parce que le marsupilami est plus lourd que l'éléphant. Décidément, il nous en cache des choses, ce marsu. C'est bien parce qu'il y a le petit oiseau qui dit quel pouvoir utiliser. Ça, c'est pas mal, hein. Au final, même si vous savez pas lequel faire, y a quand même un personnage qui vient vous le dire. Ok, c'est bon, on n'a jamais été aussi loin. Allez, fous le camp. Tu peux, s'il te plaît? Merci. Ah non, il y en a plusieurs en plus, saleté le jongleur. Ok. Alors. Ouais, là j'imagine qu'il va falloir que j'utilise mon nouveau pouvoir. Celui-là. Comment je fais? J'en sais strictement rien. Ok, d'accord. Ah, ça se pousse, ok. Voilà. Et voilà. Bah vous voyez, là j'aime bien parce que c'est déductif. On voit qu'on peut pousser le truc, on se met dessus et on devine. Donc c'est pas mal. Par contre j'arrive pas à faire le pouvoir, pourquoi? Comment je l'ai fait tout à l'heure? Ah d'accord. Faut pas appuyer sur la touche pouvoir, faut appuyer sur la touche frapper. Voilà. Non mais ça faut. C'est de l'exercice. Faut. Voilà. Allez, c'est parti. Oh là là, mais quelques résistantes! Ah non, fous le camp, toi, par contre. Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Non, mais attends, reviens! C'est la fin du niveau, là! Non, mais putain, on n'a pas que ça à foutre, il reste 30 secondes. Allez, lui, on va le dégommer. Non, mais putain. Mais qu'est-ce qui m'a tué? Ouais, ouais, à mon avis, il y avait des. Les balles! Génial, génial. Vive le jonglage, hein. C'est formidable. Bon, alors le niveau est assez court au final, hein, parce que... Bon, évidemment, il faut éviter de crever sous les balles de jongle. Sinon, il est assez court, hein. Donc, à mon avis, ce sera pas le même délire pour les prochains niveaux, hein. Ça va être beaucoup plus corsé. Alors, on va essayer de choper. J'ai vu une petite horloge là-haut, ça va nous être utile. Non, l'horloge, s'il te plaît. Allez, putain, évidemment. Bon, bah, laissez tomber l'horloge, on va essayer d'être efficace. Qu'est-ce qu'il a? Il balance des tartes sur mon éléphant, lui. Et fout le camp. Il est fou. Il est où, mon petit éléphant, là? Viens par là. Il y a de la bouffe, une petite banane, là. C'est original de changer les items, enfin, les trucs à ramasser, quoi. Putain, allez. Ah oui, putain, c'est vrai, on doit récupérer ça. C'est pas le moment de faire une baignade, Marsu. Je sais qu'il fait chaud, mais hein. Franchement, ça m'avait manqué de se lancer dans un let's play sur un jeu, essayer de finir un jeu. Voilà, en plus, faire ça pendant les vacances, l'été, tout ça, c'est bien, ça fait des petites vidéos.
Moi j'aime bien. Alors, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Franchement, ça m'avait manqué de faire ça. Bon, par contre, si tu pouvais prendre l'escalier, ce serait bien. Alors, comment j'ai fait tout à l'heure, putain? Le problème, c'est qu'on fait les choses comme ça et je sais plus, putain. Allez, il reste 70 secondes, là. J'ai pas envie de refaire tout le niveau, s'il te plaît. Surtout que c'est ma dernière vie, sérieux. Oui, bah merci, mais j'aimerais bien repasser de l'autre côté, s'il vous plaît. Je sais pas, il est où mon éléphant, sérieux? Parce que je crois que j'ai sauté dessus la dernière fois. Il est où? Ah voilà, t'es là? Allez, vas-y. Tu vas m'aider à... Voilà. Oh bah, il est un peu fatigué, il a pris mal à la gorge. Je vais voir si plus d'amis. Putain, mais fout le camp! Allez, vite, il reste 20 secondes là. Alors, on n'a pas de temps, c'est encore jouable là, s'il te plaît. Ça devient archi stressant. Allez, vas-y, t'es où? Voilà, allez. Tu peux pas passer la seconde là, s'il te plaît? Allez, c'est la fin du niveau, salut. Salut, allez. J'en peux plus. Oui. Ah, ça c'est bon, il est resté 4 secondes. Nickel. Fou. Allez, bon. Écoutez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Voilà, on démarre tout doucement. Voilà, on y va tranquille. Voilà, on finira le cirque dans la prochaine partie, dans la prochaine vidéo donc. Mais en tout cas, merci de m'avoir suivi. J'espère que ça vous a plu et on se retrouve donc très bientôt.